Sixièmement, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie, et l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a, le Seigneur est avec toi, vous êtes bénie de large et les femmes. » Et quand elle le vit, elle fut troublée à sa parole, et jetée dans son esprit ce que cette salutation doit être. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, et voici, concevras dans ton ventre, et tu enfanteras fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé le fils du Très-Haut, et le Saint-Dieu lui donnera le trône de David son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera puisque je ne connais point d'homme ?» Et l'ange lui répondit et lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut sur l'ombre de toi. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra de toi sera appelée Fils de Dieu. »